Alain Prost réside depuis plusieurs années en Suisse. Il a expliqué la vraie raison qui l'a poussé à s'exiler hors de France. À 69 ans, Alain Prost reste l'une des légendes du sport automobile français. Le pilote a remporté les championnats du monde à 4 reprises, gagnant pas moins de 51 grands prix. Néanmoins, le champion a pris la décision de quitter la France il y a plusieurs années. En effet, Alain Prost réside depuis plus de 30 ans en Suisse. Une décision prise à cause des impôts français? Le coureur automobile a donné des explications sans langue de bois sur la raison qui l'a vraiment poussé à s'exiler hors de France. Alain Prost est résident suisse depuis plusieurs années. Alain Prost l'a assuré lors d'une interview accordée aux médias suisses Bilan, il n'a pas quitté la France à cause des impôts. « Je suis parti de France pour des raisons qui n'étaient absolument pas fiscales », a-t-il expliqué. Pourtant, le champion est très remonté contre le système français. Selon lui, le taux de 75% d'impôt pour les hauts revenus est une hérésie. Le coureur automobile est allé plus loin. « Je tire mon chapeau aux patrons de PME qui vivent encore en France. Les 75%, c'est la goutte d'eau », a-t-il estimé. L'ancien pilote porte un regard amer sur la politique en vigueur dans notre pays. Le système politique basé sur l'assistance n'arrive pas à être réformé, alors que la France est un pays qui a tout pour fonctionner. La compétitivité, les richesses, les industries, le tourisme, a-t-il indiqué. Je ne vois pas comment on peut sortir du gouffre actuel, a conclu Alain Prost. Pourquoi Alain Prost a-t-il quitté la France? La fiscalité n'est donc pas la raison première pour laquelle Alain Prost s'est exilé. Il est récemment revenu sur l'état d'esprit dans lequel il se trouvait au moment où il a pris sa décision. Face à Mouloud Achour dans Click, le champion a expliqué qu'il a dû faire face à une campagne de haine dans son propre pays. Je me faisais cracher dessus dans la rue, en voiture. Ça m'est arrivé une fois ou deux quand même, c'est très bizarre. C'est là où j'ai découvert le 50-50e de cette mentalité un peu française, qui fait que vous avez des gens qui vous adorent, ils trouvent que c'est génial ce que vous faites et puis d'autres qui sont un mélange de jalousie et de haine. Pourquoi, je ne sais pas. C'est interrogé avec amertume Alain Prost. Pour protéger sa famille, le grand rival des Ayrton Senna a donc été contraint de déménager. La nouvelle vie d'Alain Prost en Suisse. Depuis de nombreuses années, Alain Prost réside en Suisse, non loin de Genève. J'ai toujours voulu habiter ailleurs qu'en France parce que j'étais incompris et pas respecté, a-t-il indiqué. Le pilote automobile a choisi la Suisse, avant d'avoir pensé dans un premier temps à habiter en Grande-Bretagne ou en Italie. En Suisse, Alain Prost mène une vie tranquille. Il se déplace en scooter et possède seulement une Renault et une vieille Mustang. Je n'apprécie pas du tout les voitures de sport et je n'aime pas rouler vite. Je privilégie la sécurité et les voitures confortables avec un grand coffre qui peut contenir un sac de golf ou un vélo, a-t-il expliqué. Alors qu'un documentaire événement lui sera consacré dans quelques jours sur Canal+, le champion coule désormais des jours heureux dans son nouveau pays d'adoption.